Yeah. Team at 17. Damn. Bonjour la famille. Tapoter, partager la vidéo, l'affaire est grave. Kim, la fille de Camille Makoso, le monsieur avec une grosse bouche là. Sa fille est là à peine de percer sur les réseaux sociaux. À peine de faire son nom. Elle sait faire les noms sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle est connue comme une personne figure, une personne brillante de la communauté ivoirienne. Elle est comme une personne vraiment, une figure publique de la communauté ivoirienne. Elle passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision. Elle est applaudie, elle est aimée par les Ivoiriens. Elle est devenue comme un modèle à suivre à des jeunes filles qui commence aussi à voir la vie d'une autre manière. Mais par mon constant, j'ai vu beaucoup de femmes de Cameroun, les Camerounaises, les femmes ivoiriennes qui ont l'âge de Lolo Beauté et plus, avec la bouche comme de Lolo Beauté à plus là. Les femmes de Togo, Mali, Burkina Faso, ce sont des femmes souvent qui n'ont pas de mari en Europe. Ils se mettent derrière les réseaux sociaux, derrière les lives, pour insulter, pour attaquer la petite fille de 18 ans. La fille qui a l'âge de leurs enfants. Mais comme Makoso a réussi à trouver un chemin, un engrage pour propulser sa fille, les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à recevoir de tels coups. Pourquoi vous êtes jalouses, mes chers hommes, mes chères femmes? Pourquoi vous êtes jalouses? La fille à peine 18 ans. Laissez-la un peu s'enjailler, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal, mes chers amis? Les femmes là qui... Les femmes européennes, ce qui me fait mal, ce sont les femmes qui vivent en Europe. Vous vivez en Europe, mais vous faites des lives sur les personnes qui vivent en Afrique. Vous n'avez même pas honte. Tu passes tout le temps, au lieu d'aller travailler pour tes enfants. Tu es femme seule, ton mari t'a fui peut-être parce que tu ne comprends pas la vie de l'Occident. Mais tu prends ton temps à critiquer une fille qui est en Afrique, encore une fille de 18 ans, à peine 18 ans. Tu as été sur les réseaux sociaux pendant peut-être 5, 15 ans, 10 ans. Rien n'a marché, tu n'as pas évolué sur les réseaux sociaux. Tu deviens maintenant une femme aigrie contre une petite fille qui s'est trouvé un chemin, qui a bien visionné, elle s'est bien donné l'état de réfléchir comment percer sur les réseaux sociaux. Mais vous les femmes là, vous n'aimez pas l'évolution, vous ne voulez pas des personnes qui évoluent dans des communautés. Vous êtes là pour les insulter, parler mal, critiquer, des critiques négatives, les critiques qui ne construisent pas. Au lieu d'encourager la petite fille, comme elle s'est trouvé un moyen d'être aimée, d'être populaire, vous devrez quand même l'encourager, ne fût-ce que l'encourager. C'est votre fille d'après tout, c'est votre fille. Si elle réussissait, c'est la communauté ivoirienne qui a réussi. C'est la même chose avec certaines personnes. Quand j'ai vu la fille ici, la femme de DJ Arafat, la fille ici, j'ai oublié son nom, le nom va venir. Quand elle cherche, elle veut se taper un homme, c'est toute la Côte d'Ivoire qui crie « Oh, elle a trahi DJ Arafat ». Mes chers amis, quel est le mariage qui ne prend pas fin? Et puis le monsieur est déjà mort, paix à son âme. Il est déjà mort il y a longtemps. Laissez la fille ici de commencer sa vie nouvelle. Donnez à la fille ici, Carmen, donnez à la fille là la chance de commencer une nouvelle vie. Elle a droit à la vie, s'il vous plaît. Pourquoi vous les femmes, vous ne comprenez pas? Vous êtes jalouses. Si vous aviez passé plus de 15 ans, 10 ans en Europe sans côtoyer un homme, ce n'est pas la faute de Carmen. Ce n'est pas la faute de la fille Kimi. C'est votre faute. La façon dont vous vous comportez devant les hommes va vous amener les hommes. Si vous vous comportez comme une femme dévergondée, les hommes vont fuir. Je vous dis et je vous ai toujours dit ceci. Tu peux avoir 10 enfants. Mais si tu te comportais comme un produit exceptionnel, tu vas trouver un mari.
Tu peux avoir 5 enfants. Si tu te comportes vraiment comme une femme, une femme digne d'être appelée femme, les hommes vont courir derrière toi. Vous ne serez pas seul. Combien de femmes ici ont des enfants, mais il y a toujours les hommes qui viennent derrière eux. C'est parce que les femmes-là ont quelque chose à donner aux hommes. Ils ont quelque chose à présenter, quelque chose de spécial que les femmes, les femmes célibataires n'ont pas. Mais les femmes-là qui ont eu des enfants, ils ont des qualités exceptionnelles qui sont capables à attirer les hommes. Mais vous là, vous prenez tout le temps derrière les réseaux sociaux, plus de 2 heures d'état sur les lives, en train d'insulter les gens. Est-ce qu'avec les insultes, vous pouvez attirer un homme? Est-ce qu'après, avec les insultes, vous êtes capable vraiment de maintenir même un homme pendant un mois dans votre foyer? Et puis vous allez dire, si un homme n'est pas capable, qu'il n'a qu'à aller, il va pas, oui, il va aller, il va s'en aller. Mais si tu veux, tu peux inciter les gens sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais si tu as quelque chose qui va maintenir, qui va retenir l'homme à côté de toi, c'est mieux. Carmen Sama a fait son mieux. Il n'a pas triché. Il a été toujours aux côtés de son mari jusqu'au dernier moment, au dernier jour de son mari. Maintenant, le mari est parti. Même la Bible dit que les alliances sont rompues. C'est la fin du mariage. Quand la mort nous sépare, la mort est venue et elle les a séparés. Elle est libre. Elle a droit de jouir. Elle ne peut pas vivre comme ça toute l'année, toute la vie. Vous voulez qu'elle puisse partir dans des coins en train de tricher? Vous voulez qu'on puisse appeler Carmen Sama une femme dévergondée? Ou bien vous voulez qu'on puisse l'appeler une femme digne? Je pense, pour moi, je pense, pour honorer ne fût-ce que la mémoire de DJ Arafat, la fille ici, Carmen Sama, devrait pas, quand il trouve un mari, que ce soit un homme vraiment que, si c'est un homme vraiment que Carmen Sama a choisi, que ce ne soit pas un homme qu'elle va commencer à sortir avec elle à cachette. Il faut que ce soit un homme vraiment qu'elle peut présenter à public et que les gens doivent respecter, puisque elle a le choix, elle a aussi le droit de vivre sa vie. Où est la démocratie? Comment vous voulez que les gens que vous ne connaissez pas, les gens qui n'ont aucune relation avec vous, les gens qui n'ont aucun lien de parenté avec vous, puissent vivre selon votre volonté, selon votre gré? C'est impossible et c'est inconcevable, mes chers amis. La petite Kim ici, elle vit sa vie selon comme elle est éduquée. Son papa l'a éduquée ainsi et elle vit sa vie selon l'éducation qu'elle a reçue à ses parents. Et puis avec la vision, elle va augmenter sa vision dans l'éducation. Et puis elle a créé une petite personne qu'on appelle Kimi et on doit la respecter comme ça. On doit la donner de la chance d'aller de l'avant. On doit la donner de la chance de progresser. Puisque quand elle réussit, on est ici en train de parler, de promouvoir une fille moderne, une fille africaine. Maintenant, quand une fille africaine veut progresser, elle devient une femme moderne, vous êtes là pour la critiquer, pour la rabaisser, pour la tirer d'en bas. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Au lieu d'applaudir l'évolution de la fille ici, vous êtes là pour la tirer à l'en bas. Vous voulez toujours qu'elle ne puisse pas évoluer. Pourquoi un Africain ne veut pas voir un autre Africain évoluer? Pourquoi un Africain ne veut pas voir un autre Africain avancer? Vous les Ivoiriens, je vous regarde avec les yeux vraiment de méchanceté. Au lieu de donner la petite fille là la chance, au lieu de parler de la fille là positivement, vous êtes là pour la critiquer. Maintenant, au moment où on se parle là, que vous la critiquez ou pas, elle est déjà évoluée, elle est déjà partie. Que vous la critiquez ou pas, elle a déjà fait son nom Kim. Au moment où je vous parle, avec la marque qu'elle s'est faite sur les réseaux sociaux, un jour elle va trouver un homme qui a là. Elle va trouver un homme. Et puis elle va la poser, puisqu'elle est déjà une personne publique. Elle ne va pas, ce n'est pas n'importe qui va venir derrière elle. Maintenant là, ce n'est pas n'importe qui. Elle aussi maintenant, elle a les conditions, elle a la vision. Elle doit regarder dans le garçon là, c'est quelle sorte de garçon qui va venir, quels sont les mots que les garçons là vont sortir. C'est une petite fille déjà qui connaît le jeu des réseaux sociaux. Elle est prudente maintenant, elle doit savoir qui va venir la jouer et qui ne veut pas la jouer. Elle est déjà là, elle est déjà dans les jeux. Qu'elle voulait ou pas,
elle a déjà fait son nom. Au Congo, on parle de Kim. Au Sénégal, on connaît Kim. Au Mali, au Burkina Faso, on la connaît déjà. Elle est internationale. Et on doit la respecter, on doit la protéger. Que tu aimes son père ou pas, tu dois respecter quand même la fille là. Oh, tout le monde sait que son père a une grosse bouche. Une bouche qui sent mauvais. Une bouche qui parle trop. Mais quand même, la fille là n'est pas son père. La fille là n'a rien à faire avec son père. Donnons la chance à la fille là. C'est une fille déjà moderne. Une fille qui valorise la culture africaine. Une fille qui donne de l'espoir à d'autres filles qui viennent derrière elle. Alors moi, attaquer l'oncle, le tonton des enfants, je suis là pour soutenir Kimi Makosso. Je suis là pour la protéger. S'il faut que je parle pour elle, pour qu'elle puisse percer plus loin, je suis prêt puisque c'est la fille. Moi, je suis là pour protéger les filles. Je suis son oncle. Elle m'appelle tonton. Et je lui dois du respect en retour. Je pense que vous m'avez compris, vous les mamans, bateau de chaque jour là. Je pense que vous allez arrêter avec ça. Donnez la chance à la fille ici. Donnez la chance à la jeunesse africaine de s'épanouir. Si vous aviez échoué, donnez la chance alors à la jeunesse de réussir. Ne fût-ce que cela, ça va nous vous aider. Votre malédiction là va expirer le jour où vous allez ouvrir vos cœurs à la jeunesse de s'épanouir. C'est moi Gilmas, l'oncle des Afa, l'oncle de Kimi Makosso.